Donc bonjour à tous les amis et bienvenue, donc c'est Raven Black, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur encore un nouveau jeu. Je vous avais dit que ce serait un jeu qui fait peur. Enfin, qui fait peur, on va le voir. Mais en tout cas tout le monde a dit qu'il était... Il a fait sursauter des gens. Donc voilà, ça va peut-être être mon cas vu que moi je sursaute assez facilement. Si vous avez vu mes let's play sur Beast Inside, etc. Donc là, il s'agit de Song of Horror. Je ne sais même pas si je dois le présenter tellement... Ce jeu fait un carton. Donc, aventure d'horreur de survie à troisième personne, en caméra fixe. Craignez la présence, une entité qu'on ne peut combattre. Ouvrez l'œil, cachez-vous, respirez lentement. Rien que ça. Visitez des lieux maudits où esprits invisibles et âmes perdues s'attardent dans une véritable histoire d'horreur multicentenaire. D'accord. Évaluation très positive. J'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs sur le jeu. Il est sorti le 31 octobre 2019 pour le premier épisode, parce que c'est un jeu en 5 épisodes. Et le dernier épisode, le cinquième, est sorti le 28 mai 2020, donc c'est récent, hein, très récent. Et ils font des mises à jour constantes, les développeurs, ils en ont fait une ce mois-ci, le 25. Et donc c'est développé par Protocol Games et édité par Riser Games. Voilà, c'est un jeu horreur, survie, aventure, troisième personne. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, c'est du The Council version horreur, simplement. Et on a la possibilité de contrôler, je crois, 3-4 personnages. Il n'y en a pas qu'un seul. Et la difficulté de ce jeu, c'est qu'ils peuvent mourir c'est des morts permanentes, en fait. Ça veut dire que si vous perdez un personnage, il est vraiment mort. Ça me fait penser au prochain Watch Dogs. Vous savez, Watch Dogs Légion, je crois qu'il s'appelle. J'ai vu. Et en tout cas, je l'attends, celui-là, le prochain Watch Dogs. Et ils ont fait cette espèce de truc où, genre... l'agent qu'on prend peut mourir, et une fois qu'il est mort, on va pouvoir en prendre un autre. Bah là, c'est exactement pareil. Sauf que là, il n'y a que 3-4 personnages. Hein. Enfin, je crois qu'il y en a 7 au total. Il y a 7 personnages. Je m'en souviens. Donc, en plus, moi, je fais beaucoup de conneries. C'est pas dit que je les garde tous en vie. Hein. Je vais au moins en faire crever un ou deux. Parce que je suis tellement malchanceux. Par contre, si vous voulez pas qu'il meure, vous pouvez baisser la difficulté, je crois. Mais moi je l'ai pas fait, hein. J'ai laissé le jeu en normal. Pour ceux qui ont le jeu, je joue en difficulté Edgar Allan Poe. C'est des noms bizarres. Il n'y a qu'une seule difficulté au-dessus de la mienne, c'est HP Lovecraft. Mais... il faut la débloquer. Nous vous recommandons d'utiliser un casque audio et une manette de jeu. J'aurais peut-être dû brancher ma manette. En tout cas, le casque, je l'ai. En tout cas, le casque audio, c'est bon. Hein. Avec un son 7.1, je pense que ça va être immersive. Hein. Je vais flipper ma mère. Ouais. Oh, comment ça rame ? Ah, ça rame quelquefois. De Daniel. Home sweet home. Ah, le son est bizarre, on dirait qu'il est étouffé. Alors, d'accord, donc la souris apparemment il bouge sa vieille tête. Ah, faut approcher des trucs pour appuyer. Ah ouais, ça fallait peut-être mettre une manette alors. Ça me rappelle d'excellents souvenirs. En tout cas, les graphismes sont pas dégueulasses. Hein. En même temps, c'est normal vu le budget qu'ils ont eu, tu me diras. Ok, ça tout te rappelle d'excellents souvenirs, même l'interrupteur. Ouais, il faut vraiment une manette parce que c'est ultra lent au clavier, je vous dis pas quoi. Ça va être une galère. Est-ce que je mets ma manette? Bon, allez, vous savez quoi, j'ai pas envie de me faire chier. On va mettre notre petite DualShock. Parce que c'est un jeu où on peut vraiment mourir, alors moi je préfère avoir la manette, hein. Excusez-moi. J'aurais peut-être une meilleure chance de pas crever. Bon les amis, j'ai dû relancer le jeu. Super. Pour pouvoir jouer avec ma fucking manette de PS4. Je sais pas, ils ont dit une manette et un casque pour une meilleure expérience. Bah du coup, on a les deux. Hein. Bon, par contre, il va falloir que je me familiarise avec les boutons de la manette du coup.
que le perso est hyper lent, c'est vrai que c'est meilleur de jouer à la manette. C'est 10 fois meilleur. Ma collection de vinyles des années 80, peut-être que le mois prochain je pourrais me payer les étagères pour l'y poser. En fait moi de base, quand je joue un jeu sur PC, je privilégie le clavier. Je prends la manette quand vraiment j'ai pas le choix ou quand le jeu m'y oblige. Et en l'occurrence là, vous y oblige un peu. Parce que l'expérience au clavier est un peu poirave. Alors Sophie, ça m'a pris des années pour ressortir ses photos. Ok, au revoir. J'aime même parce que il aime pas parler apparemment. Il fait que... Dans la fiction historique, il a vendu son dernier roman à 4 millions d'exemplaires. Oh putain, il a dû se faire des thunes cet enfoiré. Hein. J'ai une tonne de repassage à faire ce week-end. J'ai acheté ce chapeau après avoir vu Les Intouchables. Il n'a jamais porté, mais quel gamin. S'il vous plaît, une pièce où il va faire quelque chose. Oh crikey, seriously. Mais tu veux attendre. Ah, je dois répondre au téléphone, d'accord. C'est scripté. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself. Ça commence bien. I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company. Or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Okay. Daniel Neuer, a bloody alcoholic. Peut dire que tu t'es noyé dedans? That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic. Que je sors. After all, Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Ouais. Ça sent l'enquête chez lui, hein. Parce qu'il n'y aura personne. Le manoir Husher est une grande maison coloniale du 19e siècle, propriété de Sébastien Husher, professeur reconnu et auteur de fiction historique, qui a disparu maintenant. On va fouiller sa baraque de fond en comble, hein. Ça se sent d'ici. Il y aura peut-être des trucs bizarres. Voilà. Putain, dans les cinématiques, ça rame. Hein. Ça se voit que ma carte graphique est pas ouf. Un vendredi pas comme les autres. Un tricycle. Okay, la porte de côté, c'est pas bon. Il veut pas.
Hello? Is that music? I'd better take a look. Moi, je suis pas sûr. Tous les personnages ont leur propre source de lumière. Ah, c'est cool. Pour l'éteindre et l'allumer, appuyez sur RT. Ok. Quand elle est allumée, vous pouvez choisir la direction. Oui, ça c'est bien normal. Votre source de lumière ne s'épuisera jamais. Ah, d'accord. C'est pas comme dans les autres jeux alors. On peut la diriger. D'accord. Donc lui, il a une torche, c'est plutôt. Bénéfique. L'alarme a l'air désactivée. L'horloge est cassée. C'est la salle de bain. Au revoir. Y a rien à voir. Ici, c'est quoi? Non, la musique ne vient pas d'ici. Oui, c'est bon, j'ai compris. Asher est dans beaucoup de ses photos. Tout est recouvert de poussière. Femme de ménage, elle est en vacances. Ce miroir est dégueulasse. J'ai trouvé un objet consultable. Une lettre pour Usher trouvée par Daniel dans le manoir de l'auteur. Ça fait grave penser à The Council comment c'est écrit les lettres. C'est là que ça commence la merde. Non, 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 je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je reviendrai. No, the music isn't coming from upstairs. Non, on peut pas monter. Obligé de se taper la zic, putain. Un jeu d'échecs. Quelle beauté. Putain, son salon est trop bien. Là, même si on veut pas y aller, il est temps d'y aller. Sinon on n'avancera jamais. Sa mère, elle m'a cassé les oreilles la musique genre. Waouh. Je m'attendais pas à ce qu'elle me pète autant les oreilles. Hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. Ouais, c'est malin. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. It went again. I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations, nightmares, black nothingness. Et toujours comme ça. A song from that music box, trapped in this impossible place. I wondered if I was going to die there.
Fort possible, quand même, que tu laisses ta peau. 3 jours plus tard. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so, and if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Ouais, bon, apparemment, il est resté vraiment des jours dans l'espèce de cave. Le personnage le plus discret tire moins l'attention. Ce qui veut dire qu'ils feront face à moins de menaces. Ouais, d'accord. C'est un peu dégueulasse, ça. Qui sont les persos pas discrets? Hein? Quoi? Attendez. Ok, Sophie Van Dened. On peut jouer Sophie. 40 ans, source de lumière bougie, la vie a souvent mis Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie. Elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Ah, son ex, d'accord. Sophie, qui dirige une galerie d'art bien connue, profite désormais de la prospérité. Lol. Elle a de la vitesse, elle a de la discrétion, elle a plus de sérénité qu'autre chose. Bon, elle a pas de force parce que c'est une femme. Une femme avec pas beaucoup de muscles. Comment je me rattrape? Dès que j'en allume une, tout autour de moi semble plus sûr et plus apaisant. Bougie parfumée, ça va pas te sauver. Hein. Bon, sinon on a quoi? Hein? D'où on peut jouer Bertrand? Attends, il s'appelle comment? Étienne Bertrand? Ah oui, c'est lui. Sa source de lumière, c'est un briquet. Et il a plus de force qu'autre chose. Bah normal. Lui, il a de la force, de la sérénité et de la vitesse. Ils sont tous équilibrés, leurs stats, hein, j'ai remarqué. Hein? On sait pas c'est qui, lui. Alexander Laskin, je parie. Ouais. Encore une bougie. Ils sont domestiques au manoir de l'écrivain Usher. Ah, d'accord. Surveiller les enfants de l'auteur est un de leurs nombreuses tâches. Ok. C'est un couple russe. Sinon, on a quoi? Alina Ramos. Lampe de poche. Ah, ok, c'est une café. Ouais. Ah, on a... Ouais, il y a vraiment les 7 personnages dès le début, en fait. Ah, c'est fini. On a Sophie, Bertrand, le russe ou la keuf. Alors, vous allez peut-être être déçus et vous allez peut-être me dire de commencer par Sophie. Mais je sais pas s'il y a un ordre à respecter. Hein. Je sais pas. Je fais le jeu comme il vient. Mais en tout cas, Sophie, c'est pas celle que j'ai envie de prendre en premier. J'hésite entre Bertrand et la keuf. Mais je vais commencer par la keuf. Voilà. Elle me donnait plus envie. Et au moins, si elle meurt... Ce sera moins pire que de perdre un personnage comme Sophie ou Étienne. Vous m'excuserez, mais c'est comme ça. C'est un peu dégueulasse, mais bon. Je préfère sacrifier la keuf que... Au moins, si je fais une connerie. On a encore 20 minutes de let's play. 20 minutes pour mourir, potentiellement. Je pense qu'il y avait un ordre à respecter, mais c'est pas grave. Ceux qui ont fait le jeu... Putain, elle est bien rigide, hein. Elle fait peur. Mais attends, on est sûr qu'elle est policière? Elle est pas policière. C'est... je sais pas, elle a un uniforme de quoi. Bon, en tout cas, elle a une lampe torche et moi, ça me va. Par contre, elle vient là de nuit et ça me plaît pas. Il y a les mêmes objets qu'avec Daniel. Ah putain, on va en chier.
The door was open. Were they waiting for me? On parle de mon pays. Ah, parce que c'est une Espagnole. J'aime bien les Espagnols. Que j'aimerais pas qu'elle meure elle aussi. Quelqu'un à sa demain? Non, personne prend sa douche. Tant mieux. D'accord. Ça doit être le garage. Fonctionnement de la chaudière. Arrêt, appuyez sur le bouton gauche. Démarrage, appuyez sur le bouton du milieu. Vidange, appuyez sur le bouton droit. Dysfonctionnement. En cas de dysfonctionnement empêchant le bon fonctionnement de la chaudière, vous pouvez procéder à un arrêt d'urgence. En maintenant le bouton bleu enfoncé pendant 4 secondes. La chaudière est ici, le problème est qu'elle n'est pas alimentée. Oh merde, c'est verrouillé à l'aide d'une vis. Mon cher mari excentrique, j'ai laissé ta clé dans le tiroir du haut de ton bureau, dans la bibliothèque. Les enfants ont été très agités ces derniers temps. Nous devons discuter dès ton retour et je ne veux pas qu'ils jouent avec. On va peut-être essayer de... Il faut vraiment qu'on mette l'électricité, c'est relou. Il ne reste que quelques allumettes. Ils ont mis la table mais personne n'a mangé, c'est des gamins quand même. Par contre comment on remet le jus? Parce que là, c'est trop relou qu'il n'y ait pas de lumière. Pas encore, je dois d'abord préparer le bois. Chiotte. C'est pas vrai. Ah c'est son bureau. Je connais aucun de ces livres. Ah, c'est pas vrai. À chaque fois, il faut faire un truc. Ça me rappelle un autre jeu où à chaque fois, il fallait trouver un objet. C'est genre... je sais pas. Comme The Beast Inside, en fait, mais en moins pire. Enfin, en pire, vu que The Beast Inside, c'est juste un objet qu'il faut trouver. Là, c'est... Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Alors le truc pour graisser le tiroir, le bois pour la cheminée et un truc pour ouvrir la boîte à outils. Ça commence à faire beaucoup quand même. On va peut-être essayer de monter à l'étage. I should take a look on this floor first. Personne veut monter, c'est un truc de ouf. Ok, bah on va dans la salle de la cuisine. Non. Ils ont fermé la porte à clé. Ah bah j'ai pas la clé. There's something on the counter. Ah. Les Saints de Saoul, un dessin réalisé par le Benjamin Dusher. Bah il est pas très. Le dessin est assez explicite, hein. Ok. Je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Un anneau métallique. Putain, sa maison elle est grande, hein. Y'a pas à dire. Un bidon d'huile. On sait à quoi ça va nous servir, les amis. Oh merde. Et c'est ce bruit. Vous feriez mieux de jeter un œil avant de le regretter. Les bâtards. Pour coller votre oreille contre une porte, approchez-vous quand vous voyez l'icône d'écoute
Maintenez Y en écoutant, faites attention aux sons qui proviennent de l'autre côté. On dirait que la voie est libre. Désormais, vous pouvez écouter ce qui se passe de l'autre côté des portes qui ne sont pas examinées. Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes quand il y en a un à côté de vous. Hein ? Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. Elle enregistre tous les lieux que vous avez explorés. Si il y a quelqu'un à la maison, je ne préférerais pas. Ok, la carte c'est comme ça. Donc là je suis dans la cuisine, salle à manger. Pourquoi il y a un... Ah, c'est parce que c'est fermé, d'accord. Apparemment on peut se faire poutrer. Derrière les portes. Super. Je me suis dit dans ce jeu, tu passes quand même plein de portes. Ils ont mis des pièges. Il n'y a pas l'icône, donc moi je dis qu'il n'y a pas de danger. On va pouvoir graisser le tiroir. On aura fait un truc. J'ai déjà la clé. Il y a une vieille clé, c'était dans le tiroir coincé de la bibliothèque. Ok, bah on l'a. Bon, maintenant je vais avoir peur à chaque porte, c'est cool. Hein. Merci d'avoir fait ça. Oh merde. I shouldn't answer the phone. Should I? Ouais, mais sauf qu'il y a toi de vivante dans la maison, donc. Hello? Hello? Who is this? I can't understand anything. We can't leave my room. What? What the... Who was that? A child? Apparemment, elle a dit je peux pas sortir de ma chambre, donc bon. Hein, quoi? Ah, bizarre, ma manette s'est mise à vibrer. Ça venait d'où? Ça devait venir du couloir. C'était un piège. Vous vous souvenez de cette salle maintenant? Il y a le tournevis. Toute la pièce plus le tabac. Ah bah. Eh, j'ai vu une autre porte hier. En passant devant la salle à manger, j'ai soudain entendu la musique de la boîte, la musique de papa. Quand je suis entré, j'ai vu la porte, j'ai couru prévenir maman, mais à notre tour, elle avait disparu. Ok, c'est pas juste, je disais la vérité. Il y avait une vieille porte ici. Et même une clé dans la serrure. Ok. J'ai vu la porte bizarre que Julie a parlé, celle qui n'était pas là avant. Maman était très en colère et n'arrêtait pas de crier après Junior. Nanana. Ah putain, c'est écrit vraiment comme une gosse. Hein. Bah ça, je sais pas. What? Hello. Is there anyone there? C'est une blague. Quelque chose essaie de rentrer. Assurez-vous que la porte ne s'ouvre pas. Pour augmenter votre force, appuyez à répétition sur A. Quand vous sentirez assez fort pour pousser et bloquer la porte, appuyez sur RT. Attendez que votre force soit au maximum est efficace, mais risquez. Décidez quand pousser la porte, mais faites très attention peu importe ce qui se passe, assurément. Vous avez vu ma tête, quoi. J'étais comme ça. Ah putain, j'étais pas bien. Heureusement, vous avez réussi cette fois-ci. C'était facile. Vous êtes désormais en sécurité, mais restez sur vos gardes, peu importe ce que c'était. Cela pourrait surgir de l'ombre. Oh putain. Certains événements vous donneront l'opportunité de mettre votre oreille contre la porte. N'oubliez pas de faire très attention, ça pourrait vous sauver la vie. Putain, mais... J'ai l'impression que t'as 36... J'ai l'impression que t'as 36 occasions de mourir et que t'as... T'as pas beaucoup d'occasions de rester en vie, en fait.
Ah, on va monter. On va monter. J'ai pas peur, moi. Exactement l'inverse. Oh. Il devait normalement y avoir une peinture ou un miroir ici. Apparemment, ils aimaient pas trop les miroirs. Je pense que c'est parce qu'on voyait le monstre à l'intérieur. Une photo en noir et blanc. Image de Catherine, l'épouse de Usher. Ok. Ah, je crois que c'est pas loin. Oh merde. Et moi je me prends la tête à regarder. Ok. Qu'est-ce que je fous là moi? Je me suis trompé, c'était celle-là. D'accord qu'il n'y a rien. Oui. Je vais éviter de courir, on ne sait jamais. Deuxième lettre d'Isaac Farber. J'ai la flemme de lire. Oh. C'est qui est derrière cette porte là. Il est vénère. Ah. Télécommande. Les boutons semblent un peu usés. Ça me fait penser à Remozored, voilà. Chercher le jeu, trouver un objet pour faire un truc, trouver un autre objet pour faire un autre truc. À chaque fois, il faut trouver un objet. Ça me fait penser à ce jeu-là. Ok, je suis revenu là où je voulais, ça c'est cool. Je commence à connaître la baraque. Donc le chiffon. J'ai fait sécher l'eau. Lol. Apparemment, il faut prendre des rendis. Ils sont là. Ah, parce que je regarde. J'ai regardé vite fait la soluce pour m'aider, pour pas me perdre dans la baraque, vu qu'il y a le monstre qui rôde un peu partout. C'est bien logique, parce que j'ai pas envie de perdre mon personnage. Bon, on peut ressortir apparemment. C'est bizarre, il y a certaines portes où il n'y a pas le Y, ça veut dire qu'on risque rien. Apparemment, faut aller au garage, mais je sais plus. Que c'est là. Ah, je crois qu'il est là. Ouais, je l'ai trouvé. Cool. Putain, ça m'a fait flipper. Bah, je crois que le chien est mort. Hein. Ah putain, j'avais déjà la boîte métallique. Fallait le combiner. Putain, j'étais pas obligé de venir là, quel con. Quatre fusibles se trouvaient dans une vieille boîte métallique. Bon bah les amis, on va s'arrêter là, je pense qu'on a déjà fait beaucoup. Hein. On dirait que c'est verrouillé de l'autre côté. Bon d'accord. Parce que ça doit pas être là. J'y ne comprends pas. Je sais pas, je suis censé avoir la clé. Hein. Bah oui. En plus c'est là qu'il faut aller. Parce que regardez, ça me marque. La salle se situant juste avant le garage. Voilà. Et ils ont dû ouvrir là avec la clé. Mais bon, moi ça me propose pas la clé. Enfin bref, on va s'arrêter là. En tout cas, vous avez compris le principe du jeu, trouver un objet pour faire tel objet, pour faire tel truc. Et c'est comme ça qu'on avance, comme Remozored. Avec le monstre qui nous traque un peu partout dans les pièces. Et il faut regarder où on rentre. Il faut regarder la carte, il faut regarder où on rentre. Il faut l'empêcher de passer quand il y a le... quand il veut forcer une porte. C'est un peu... Il y a beaucoup de façons de mourir. Faut faire gaffe. Donc n'hésitez pas à me chercher le petit like, vous abonner si pas déjà fait. Et puis... En sachant qu'il y a 5 épisodes, et s'il faut faire ça à chaque fois, le jeu va être très long. Voilà. Donc si j'avais pas la soluce, je mettrais beaucoup plus de temps. Voilà. Et bon, c'est un peu de la triche, la soluce. Moi, j'utilise juste pour pas être perdu. Hein. C'est pas parce que j'ai peur pour le personnage.
La preuve, je peux le faire mourir sans le vouloir avec les QTE. Hein. Donc voilà. Donc allez, on se retrouve vendredi pour la vidéo de Skyrim. Ciao les gens.